Bonsoir, je suis Vlad Adrien, d'origine roumaine, vis en Belgique, Bruxelles, 14 ans. Mes études roumaines, lycée d'art universitaire, et 5 ans j'étais prof. Ouais. Prof de quoi? Sculpture, dessin. L'école d'art, lycée d'art. Un an j'étais à l'université comme assistant, après lycée, 4 ans. Après j'ai quitté Roumanie pour une meilleure vie. Et exposé ici. Et voilà. Autre chose. Tu dois trouver des gens avec des visages différents, des races différentes qui vont venir chez toi et rester 4-5 heures jusqu'à ce que tu arrives à finaliser. Et grâce à la photographie, parce que maintenant, photographie super high technology, tu peux voir tous les détails, tu peux agrandir, diminuer sans fatiguer le modèle. La photographie, elle est blanc, noir, soit coloré, c'est pas important. Et de là, tu pars et tu peux faire ce que tu veux. C'est une base. Mais pas utiliser la photographie après un modèle pour exécuter, soit réaliser une peinture comme une photographie. Là, c'est aucun travail d'artiste. C'est copie, arriver, donner un kitsch. J'aime pas la photographie en grand, photographier les gens. J'utilise la photographie pour faire moi un truc. Si tu regardes sur chaque dessin, il y a une autre chromatique, des autres couleurs, hein, qui n'ont rien à voir avec la réalité. La couleur de la peau, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu as les yeux bleus, je dois les faire bleus. Les faire roses, surtout. J'utilise la gamme des couleurs, sur la gamme des couleurs d'acrylique, pastel, tu as tellement de couleurs. Pourquoi je dois me limiter les couleurs de visage nature? Ça, c'est académique réaliste. Et je ne suis pas bon, ça. Tu as des visages verts, des visages avec violet, des visages avec beaucoup de rouge, avec beaucoup de brun. Ce n'est pas des visages réels. Ici, il y a brun, noir, vert. Et si tu vois, c'est une madame, une main, une madonna, un visage. Je cherche l'expressivité de la couleur sur le, non, ça s'appelle, sur le corps humain. Soit ici, c'est des formes qui n'existent pas en réalité. Géométrique, des creux, des volumes, des ronds. Mais qui te fait voir une nue féminine. Enfin, pas tout à fait une nue, c'est des formes féminines grâce à la géométrie et la volume qu'ils utilisent dans la pierre. J'ai continué dans la peinture, tu utilises couleurs, des formes. Dans la sculpture, tu utilises des matériaux naturels. Tu vois, la pierre. La pierre à la base, c'est une matière très rude, très difficile à arriver. Comme je peux dire, transformer dans une harmonie des géométries creux, ronds, lignes, qui construit une forme, une sculpture. Et c'est même pas une sculpture, je sais pas. Mais en regardant, tu peux avoir déjà une idée. Ah, c'est des formes féminines. Et je lui donnais aucun nom, pas même la muse, je sais pas quoi. C'est pas important. Et c'est quoi ton matériau préféré? Mais j'ai eu une période, j'aimais le métal. Maintenant, je plonge. Je fais du métal soudé. Maintenant, ça m'est manqué beaucoup de la pierre. Et voilà, j'ai fait quelques en fonction du temps. C'est très physique. Là, un portrait qui n'a rien à voir avec la réalité. Là, un autre nu. Là, un marbre. Il n'a pas, je ne peux pas dire que j'ai manqué de la pierre. Pierre, métal, dessin, tout ce que c'est lié à l'art classique. Mais pas de travailler en plastique, soit en mousse, je ne sais pas quoi, tous ces matériaux contemporains. Et le style, ton style, tu dirais quel style tu as? Je n'ai pas de style. Je ne peux pas dire que je suis classique, soit expressionniste, soit moderne, soit contemporain, pas du tout. Mais tu as une formation classique à la base? Mais dans tous les. Normalement, je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec les écoles dans mes études des années 90. On devait passer les étapes classiques, dessin, sculpture, portrait, nu, pour comprendre. Ça peut être classique, académique. Après, tu as des tests comme examen, de comprendre l'art moderne. Tu devais t'exprimer en dessin, en peinture, en sculpture, en argile, en plâtre. Ça veut dire que tu passes le côté moderne. Et tu dois sortir du classique académique, te débarrasser de ça et de créer des objets sur des peintures modernes, hein, qui restent bien dans la période moderne. Et ça peut être expressionniste, cubiste, il a tellement de gamme.
Je pense que je suis plus moderne que contemporain. Rien à voir avec contemporain. Et inspiration, je ne sais pas vous expliquer ce que c'est, ça veut dire inspiration. Quand on vit faire autre chose, quand on vit manger, tu as faim, tu cuisines comme tu le sens. C'est la même. J'ai envie de travailler en pierre, j'ai pas de plan. Mais j'aime les corps humains, tout ce qui est lié au corps humain. Je n'aime pas des formes contemporaines, cubistes, géométriques, juste pour décorer. L'inspiration, quand je regarde mon visage, ça me parle les yeux, les émotions. Alors j'ai envie de faire un dessin, je le fais. Mais l'inspiration, ton vie fait. C'est ça l'inspiration. C'est pas parce que j'ai une philosophie dans la tête, je lis des bouquins sur des, je sais pas quoi, quel philosophe au monde, et ça m'a inspiré. Non. C'est un des petits, j'aime bien les visages, les corps humains, les croquis. En touchant à l'école la pierre, l'argile, j'ai resté dedans. On a commencé à l'école avec dessin, peinture. Ça, c'est la première base. Les petits, tu fais l'aquarelle. Mon prof, il nous apprenait les portraits, des mains. J'ai resté dedans. C'est tout très expressif. Et je peux plus lâcher ça, c'est fini. Pierre, métal, argile, bois parfois, très rarement. L'inspiration, c'est que tu aimes. Tu t'as bien en jeans. Et toute ta vie, tu vas t'habiller en jeans. C'est une inspiration. Tu sens que c'est pour toi. D'où ça vient, ça donne autre chose.